Bienvenue à tous pour cette conférence « L'environnement est-il une zone ou un endroit ?» Donc moi, c'est Clotilde, je suis membre de WeShare depuis plusieurs années, co-organisatrice du WeShare Fest, et je vais avoir le rôle de la maîtresse de cérémonie, en quelque sorte, pendant cette conférence qui est co-organisée, donc comme on l'a déjà annoncé avec Look Sharp, et donc Céline ou Béatrice diront un petit mot juste après moi. En effet, cette conférence, elle s'organise donc dans un cadre plus global, qui est le cadre de la programmation du WeShare Fest 2021. Cette nouvelle édition, It's About Time, ça y est, le titre est sorti, c'est une question de temps. 3 jours pour s'orienter, s'organiser et agir sur le temps long. On va vraiment, pendant 3 jours, s'intéresser aux grandes transformations de notre monde à travers le prisme du temps. Ces 3 jours, c'est du 23 au 25 juin, pour un événement qui sera, comme on avait l'habitude de dire, in real life, et on a hâte de pouvoir leur dire à plusieurs reprises. En tout cas, on souhaite vraiment que le WeShare Fest soit un petit peu annonciateur de se revoir sur une base plus régulière. Cet événement, il sera à la Prairie du Canal, à Bobigny, et on est ravis de vous... C'est un petit peu les premières personnes à qui on l'annonce. C'est tout nouveau, et d'ailleurs, je vous invite vraiment à jeter un œil, je leur publierai dans le chat... à notre tout nouveau site internet qui vient de sortir. On en est assez fiers et vous trouverez tout dessus, que ce soit les inscriptions à la newsletter qui vous raconte un petit peu comment s'organise cet événement, mais aussi nos premiers intervenants et tout ce qui s'ensuit. Et surtout, vous y trouvez aussi le calendrier des intervalles. Les intervalles, c'est comme cet événement, les conférences qu'on organise en amont du WeShare Fest pour se plonger un petit peu dans les discussions et aborder certaines thématiques. Je ne vous en dis pas plus, moi je veux vraiment qu'on lance la discussion, donc je passe la parole à Céline et n'hésitez pas à tout moment dans le chat s'il y a une question, je peux y répondre très facilement. Voilà. Merci Clotilde. Nous, on est, comme on le disait tout au début, Look Sharp est une agence de relations presse et de relations publiques. On regarde depuis très longtemps ce que fait WeShare. C'est extrêmement inspirant comme sujet de société. Avec Béatrice Lévesque, qui est donc là, qui a fondé l'agence, et toute notre équipe, on s'est fixé comme objectif d'être une agence des transitions. Donc, on aborde pour nos clients toutes les mutations en cours, tous les enjeux de notre société, parce qu'ils sont tous liés. Donc, on parle de technologie, d'environnement, de climat, d'éducation, de santé, d'entrepreneuriat, de diversité, de consommation, de RH, de ville. Voilà, tous ces sujets-là nous nourrissent. Et voilà, donc c'est un épisode intervalle qu'on a essayé de concevoir ensemble. Merci aux 3 intervenants qui ont accepté de faire ça avec nous. Et merci Clotilde et Toufik. Merci beaucoup, mesdames. Donc, je reprends la main à partir de maintenant, mais pour une durée très courte. Donc, je suis ravi de tous vous accueillir. Donc, Laurence, j'aimerais qu'on puisse rentrer dans le vif du sujet directement ensemble. Aujourd'hui, pendant 1h20, on ne va pas avoir une discussion juridique, toutes et tous ensemble. En revanche, le droit est le point de départ. Pourquoi ? Pour plein de raisons, notamment parce que j'ai été marqué par ce livre. Alors, on a la chance d'avoir avec nous 3 personnes qui ont écrit chacune et chacun un livre. Donc, Marie, je ne mentionnerai pas ton livre, et puis Fabrice, tu pourras peut-être nous en parler. Mais donc, j'ai eu la chance de lire ce livre de Laurent, qui s'intitule tout simplement « Environnement », et pas « L'environnement », comme je l'ai marqué d'ailleurs sur mes publications sur les réseaux sociaux. Dans ce livre « Environnement », qui est assez riche, tu reviens un petit peu sur la manière dont l'environnement est appréhendé dans les différents textes juridiques, et puis tu donnes des exemples pour montrer un petit peu l'impasse dans laquelle nous nous trouvons. Et j'aimerais que tu, peut-être pendant 2-3 minutes, que tu nous éclaires un petit peu finalement sur l'évolution du droit de l'environnement lors des 15-20 dernières années. Tout le monde a en tête peut-être le Grenelle de l'environnement, mais je pense que beaucoup de gens ont beaucoup moins en tête la charte de l'environnement, et notamment dans qui date de 2004, et notamment dans ton livre, et je te laisse la parole, tu écris ceci. Donc, ce texte mal connu est l'un des 3 textes préambules de la Constitution, et tu insinues qu'il est inscrit dans ce texte un paragraphe au potentiel subversif. Et ce texte, c'est celui-ci: la diversité biologique, l'épanouissement de la personne et le progrès des sociétés humaines sont affectés par certains modes de consommation et de production,
et par l'exploitation excessive des ressources naturelles. J'aimerais à travers cet exemple que tu puisses un petit peu développer finalement à la fois ce que représente l'environnement aujourd'hui dans le droit et les impasses dans lesquelles on se trouve. Et je pense que tu ramasses les copies dans 3 minutes, si j'ai bien compris, Taoufi. Non, tu peux faire un peu plus que 3 minutes. Non, je ne vais pas être bavard. Je vais permettre de te couper la parole. C'est là ton noble rôle, bien sûr, mais ravi. Merci beaucoup. Je suis désolé pour les problèmes de communication. Là, je vous entends et je suis fort aise par téléphone. Donc, on est heureux que les technologies puissent servir quand même à relier les êtres humains entre eux. Ça peut être bien, vous voyez, on est déjà dans le sujet. Non, juste peut-être 2 ou 3 minutes, je suis ravi aussi que Marie soit des nôtres et ravi d'échanger avec tout le monde. Non, 2 ou 3 minutes pour dire que, en réalité, moi, ça fait 20 années que je suis immergé dans le droit de l'environnement. Et bien évidemment, il y a toute une dimension technique dans ce droit qui ne sera pas au centre des débats, tu l'as bien dit tout à l'heure, assurément, mais il y a une chose qu'il faut que nos auditrices et auditeurs comprennent, c'est que le droit est un outillage. Le droit, c'est un ensemble d'instruments et d'outils au service de projets. Et il ne faut jamais perdre de vue cette vision instrumentale du droit, qu'on ne peut pas donc essentialiser, il n'a pas de nature en soi. Il est mis au service de changements de comportement, de changements de façon d'être au monde. Et c'est d'ailleurs, à mon avis, une de ces fonctions essentielles qu'on a tendance à oublier ou à mettre de côté. Et ce qui m'a frappé, effectivement, je te remercie beaucoup de l'avoir précisé, c'est que cette charte de l'environnement, qui est adossée à notre Constitution depuis quelques années, 20 ans, en tout cas un peu plus de 15 ans, elle est tout à fait symptomatique de ce que nous vivons d'ailleurs en pleine actualité aujourd'hui. Faut-il ou non modifier l'article 1er de la Constitution ? Je ne vous ferai pas part de ma conception profonde, qui est extrêmement critique à l'endroit de cette démarche, pour des raisons qu'on ne va pas détailler ici. Mais ce que je veux que tout le monde retienne, effectivement, c'est que le potentiel subversif du considérant 5 du préambule de la Charte, que tu as remarquablement et lentement d'ailleurs lu tout à l'heure pour qu'on le comprenne bien toutes et tous, ce potentiel subversif, pour l'instant, alors même qu'il me semble être assez sage, assez raisonnable et au centre de ce qui devrait induire nos mutations dans le rapport au monde, c'est une sorte de... Il est mis au banc, en réalité, de la Charte. Il est une sorte d'ornementation sans aucune substance et sans aucune portée, pratiquement. Pourquoi ? À mon avis, et ça fera l'objet sans doute de débat, parce que les conditions mêmes de mutation du système juridique ne sont pas réunies. Donc, si j'observe le droit de l'environnement et le droit tout court comme ensemble d'outils, d'instruments de l'intérieur, je peux m'illusionner et croire quelques minutes que des choses ont changé, qu'on va faire du mieux. Mais dès que je prends la mesure de la dimension systémique due ou des problèmes qui se présentent à nous, dès que je m'externalise, que je m'extériorise en quelque sorte pour regarder le système dans son ensemble, je m'aperçois, et c'est un enjeu évidemment abyssal et hors de portée, que les conditions qui permettraient le changement de représentation qui favoriserait l'efficacité du droit ne sont elles-mêmes pas réunies. Alors ça renvoie évidemment des choses qui ne sont pas du droit, et je te sais gré d'avoir dit que notre réunion du jour n'est pas une réunion de juristes à certains égards. Mais le droit, évidemment, est aussi un des leviers indispensables, en amont comme en aval, pour faire muter non seulement nos représentations, mais bien évidemment notre rapport au monde, dont on a compris désormais qu'il était absolument délétère et qui nous conduirait en tout cas vers quelques catastrophes. Voilà, peut-être à titre liminaire, ce que je voulais dire, ne pas perdre de vue que le droit, c'est quelque chose à remplir. C'est un ensemble d'outils qui interdisent, autorisent, habilitent, permettent, forcent, obligent. Et bien évidemment, c'est une chose qu'il faut remplir de projets, d'intentions, de volonté. Ce n'est pas à Marie que je vais apprendre ce qu'est la volonté politique, mais seule, parfois, elle ne peut pas tout ce qu'on voudrait quand les autres conditions ne sont pas réunies. Voilà peut-être ce que je voulais dire, Taoufik, à titre liminaire. Pardon si j'étais un peu long. Merci, Laurent. Fabrice, j'aimerais que tu puisses rebondir sur les propos de Laurent. Le droit, il faut le nourrir. Le droit oblige. Cette phrase, elle est à la fois tout aussi puissante que, j'allais dire, pas douteuse, mais dans la mesure où aujourd'hui, on a de forts doutes concernant finalement la manière dont le droit oblige. Et beaucoup de regards, et on en a parlé encore la semaine dernière, Fabrice, beaucoup de regards se tournent vers les entreprises lorsqu'il s'agit de parler de droit de l'environnement et de la manière dont elles vont l'appliquer ou ne pas l'appliquer, le devancer, ne pas le devancer, ou tout simplement, allons-y, de manière assez cash, se contentent de l'enrober pour aux couleurs du greenwashing. Donc j'aimerais t'entendre, Fabrice, par rapport à ce que vient de dire Laurent,
que tu sois d'accord, pas d'accord, l'enjeu n'est pas là, l'enjeu est d'écouter. Enfin, ce que je voudrais dire sur ce sujet, c'est que le droit a failli, en fait. On a un droit mou, on a un droit qui, aujourd'hui, nous emmène droit dans le mur, parce qu'en fait, c'est le droit des hommes, c'est pas le droit qu'il nous faudrait avoir si on voulait vraiment prendre en compte les limites planétaires. Donc ceux qui font le droit, si ces gens-là travaillaient véritablement pour le bien commun, eh bien, on aurait un autre droit de l'environnement. Parce que le bien commun, aujourd'hui, c'est notamment d'avoir un climat stable, et c'est pas ce qui se passe, c'est d'avoir une biodiversité qui s'entretient, et c'est pas ce qui se passe, c'est d'avoir une qualité de l'air qui devrait être bien meilleure pour éviter les maladies chroniques, et c'est pas ce qui se passe non plus. Donc, on a un droit laxiste, en fait, par rapport à la préservation des communs. Alors, c'est un fait que si on continue à appliquer le droit existant, on va droit dans le mur. Donc, on a besoin de régulations fortes, et on a besoin de régulations fortes appliquées, donc avec des modes de dissuasion en cas de défaillance qui sont bien au-dessus de ce que prévoit le droit, encore une fois, lorsque certaines entreprises ne respectent pas le peu de droits qu'il y a en matière d'environnement. Donc, alors bien sûr, une fois qu'on a dit ça, à partir du moment où le droit de l'environnement est très, très, très inégalement réparti sur la planète, forcément, ce n'est pas un pays tout seul qui pourra y arriver. Et c'est bien ça les limites aujourd'hui du droit actuel, c'est que le règlement des pays, enfin les règles des pays, sont tellement hétérogènes que dès lors que dans un pays, il y aurait des règles trop fortes, certaines entreprises auront vite fait d'aller voir dans un autre pays pour bénéficier d'un droit plus léger. Et donc, c'est là qu'on voit la limite du législateur, c'est que à quel seuil il faut mettre le droit aujourd'hui pour arriver à respecter en fait, les enjeux de long terme. Alors, c'est extrêmement complexe. On n'a pas de gouvernance mondiale, ça se saurait. L'ONU Environnement n'a aucun pouvoir et encore moins de pouvoir de police. L'accord de Paris, ce sont des engagements qui sont la plupart du temps volontaires, sans aucune sanction d'aucune nature. C'est pour ça qu'il ne fonctionnera pas. On a parlé longtemps pour l'Europe d'une taxation du carbone aux frontières, mais on sait que cette taxation du carbone aux frontières ne fonctionnera pas non plus, car la plupart des mesures sont prises à l'unanimité au niveau européen. Et les Allemands, qui sont très, très largement exportateurs vis-à-vis de l'Asie notamment, nous feront tout pour que ça ne se fasse pas, parce que bien sûr, si demain, il y a une taxation aux frontières des produits fabriqués en Asie vers l'Europe, l'Asie aura vite fait de prendre des mesures de rétorsion dans l'autre sens, qui serait de bonne guerre, entre guillemets. Et les grosses voitures allemandes qui sont vendues en Asie, les BMW, les Mercedes, eh bien, ce serait une catastrophe pour l'industrie allemande s'il y avait, bien sûr, ces mesures de rétention. Donc, il n'y aura pas de taxation du carbone aux frontières, tout le monde le sait. Donc, on est mal barré, en fait, hein, on est mal barré. Alors, après, restent les engagements volontaires des entreprises. Alors ça, on peut y croire sans y croire. Je pense que les entreprises se fixeront des engagements lorsqu'elles vont vraiment percevoir qu'elles sont de plus en plus vulnérables, qu'il n'y aura pas d'entreprise pérenne dans un monde qui sera devenu une étuve. Donc, elles sont en train de se rendre compte de ça, et je pense que beaucoup d'entreprises, dans les semaines et les mois qui viennent, vont mettre en place des approches qui vont au-delà du droit pour préserver leur propre survie. C'est dommage d'en arriver là, parce que le rôle du législateur, logiquement, ce serait de faire ça, mais bon, comme le législateur ne le fera pas, ce sera aux entreprises de le faire, parce que les entreprises ont plus conscience aujourd'hui, je pense, de leur vulnérabilité que les États. Et à juste titre, alors pendant très très longtemps, elles ont ignoré le problème, c'est vrai. Pendant très très longtemps, les modèles économiques qui ont dominé s'accommodaient en fait d'une simple conformité au droit. Ce n'était pas très compliqué, hein, de vous à moi. Mais maintenant qu'on est dans une trajectoire de si on ne fait rien, on va tous crever, parce qu'en fait, c'est ça ce dont il s'agit aujourd'hui, hein, il ne reste plus beaucoup de jours. Eh bien, les entreprises se disent, voilà, mais il faut qu'on mette en place des trajectoires de degrés, et même à degré 5. Et là, on est en plein sur des engagements volontaires, où finalement, la sanction, ce ne sera pas le droit, parce que bon, ça ne leur fait vraiment pas peur. La sanction, ce sera le marché.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si les entreprises ne respectent pas leurs engagements de trajectoire 1,5 degré, eh bien, leurs investisseurs risquent petit à petit de se détourner des entreprises. Et ça fait bien plus peur aux entreprises, le fait d'avoir des actionnaires qui sanctionnent, que le droit, finalement, hein, parce que le droit fait peur à personne. Donc, on en est là aujourd'hui. Et ce serait bien qu'on ait plus de coercition, plus de régulation, mais vous avez compris que ce n'était pas facile, compte tenu qu'on n'a pas, une vision globale du droit au niveau environnemental, au niveau mondial. Et c'est ça sa grande limite et sa grande faiblesse aujourd'hui. Ben, je vais laisser Marie répondre. Marie répondre. Je ne sais pas si tu as envie de répondre. En tout cas, je vais te laisser t'exprimer par rapport au début de cette conversation et répondre à ce que tu souhaites répondre. Bonjour, Marie. Bonjour à toutes et à tous. Waouh, c'est un peu vaste, du coup. Et il y aurait effectivement tellement de choses à dire en fait sur tous ces enjeux-là. Du coup, j'ai compté sur toi tout de suite pour me faire une question plus ciblée, mais je peux m'en sortir, t'en fais pas. bon, mais voilà. D'abord, c'est un plaisir d'être avec vous, avec Wisher aujourd'hui, avec chacune et chacun. Voilà, je pense que c'est important qu'on maintienne ces moments de rencontre et de discussion. Donc, un grand merci, évidemment aussi, pour vous adresser à cet enjeu qui est celui du droit et de l'environnement, qui est un enjeu fondamental, parce que juste quand même pour dire un petit mot là-dessus, quand on parle de droit, on ne parle pas seulement de réglementation et de règles qui parfois nous satisfont, parfois nous embêtent. On parle de notre pacte social. Et d'ailleurs, quand on revient aux racines de la République française, on parlait du contrat social. Et puis, Michel Serres, à la fin du XXe siècle, nous a invités à passer du contrat social à un contrat naturel où on aurait de nouveaux liens avec le vivant et où notamment, on passerait d'une civilisation et d'une société qui a construit son droit dans la domination de l'être humain sur la nature, parce que, notamment en France, le pays des Lumières, on a construit un droit où justement se détacher de la nature et asservir la nature était une condition de notre émancipation et notamment du déploiement du modèle économique. Et aujourd'hui, il faut qu'on renverse un peu cette approche et que, non pas qu'on dise que la nature soit supérieure à l'être humain, je pense que ce serait une erreur tout aussi grande que l'erreur qu'on a commise jusqu'ici, mais en tout cas de se dire qu'on est tous interdépendants. D'ailleurs, il y a des gens qui jouent avec les mots « un », plus loin « terre », comme la terre, plus loin « dépendant ». Et qu'il faut qu'on change nos droits et qu'on rappelle que, notamment, les lois de l'économie, qui sont aujourd'hui considérées comme supérieures à beaucoup de choses, ne sont pas supérieures aux lois de la nature. Donc, c'est un renversement juridique, mais c'est aussi un renversement politique et évidemment un renversement philosophique. Donc, une fois encore, merci beaucoup d'avoir organisé cet échange. J'ai pris connaissance aussi à l'occasion de cette conférence du livre qu'a écrit Fabrice sur les limites planétaires. Je suis vraiment ravie, je pense que c'est un concept, les limites planétaires et les communs, qu'il faut absolument qu'on s'approprie. Parce qu'effectivement, on a dépassé les limites planétaires. L'Europe et la France elles-mêmes en dépassent au moins 4 chacune. Les limites planétaires, c'est le réchauffement du climat, la biodiversité, l'acidification des océans, la quantité de certaines pollutions dans l'atmosphère, la disponibilité d'eau douce, voilà. Donc, il y en a 9, c'est un concept nouveau. Et c'est un concept qui doit devenir un concept de gouvernance, de la même manière que les communs doivent le devenir aussi, parce que l'enjeu, c'est comment on fait à travers notre planète pour vivre ensemble de manière équitable, avec un droit à un environnement sain, effectif pour chacune et chacun, un droit aussi à un accès aux ressources, au moins de base, pour chacune et chacun, et que c'est cet enjeu-là qui est censé normalement construire et devoir guider l'ensemble de nos actions. Alors effectivement, il n'y a pas encore de gouvernance mondiale, mais je tiens à souligner quand même qu'il y a en ce moment un appel pour démocratiser les Nations Unies, parce qu'effectivement, les Nations Unies, c'est le niveau le plus haut de construction d'un avenir commun, et on aurait besoin de le démocratiser, d'y faire entrer les enjeux de long terme. Je reprends les problématiques de cette conférence. Et pour moi, le long terme, c'est à la fois, c'est vrai le long terme, mais aussi la voie du vivant. Et dans le mouvement des droits de la nature, on demande aussi, on construit, il y a des expérimentations sur le terrain, des parlements locaux, des écosystèmes, comme le Parlement de Loire, qui est en cours d'expérimenter comment est-ce qu'on pourrait donner une voix à ce fleuve dans notre démocratie.
Je fais un petit, j'ai commencé par un petit tour contextuel. Mais du coup, moi, je suis aussi, donc, je suis juriste, je suis eurodéputée écolo, c'est vrai, je suis fondatrice de Notre Affaire à tous, notamment à l'origine de l'affaire du siècle. On travaille sur les droits de la nature, sur la reconnaissance de l'écocide aussi. Et d'ailleurs, c'est un peu là-dessus que j'aimerais revenir, et notamment avec l'histoire de d'Emmanuel Faber et de ce que ça a montré. Ce que ça a montré, c'est que, je crois de manière vraiment... je perds mon mot, mais de manière vive, le fait que on ne pourra pas, et donc là je m'oppose à M. Bonifay, on ne pourra pas changer de modèle en se laissant simplement porter par le marché. Et bien au contraire, quand on fait émerger des outils qui sont ceux du marché, par exemple le marché carbone, hein, pour reprendre les bons termes, pour répondre au dérèglement du climat, et bien en fait on n'arrive pas à véritablement faire baisser les émissions parce que, bon, il y a des permis gratuits, etc., mais tout simplement parce que les règles financières, les règles du marché ne sont pas faites pour protéger la planète, les communs, et ne pas dépasser les limites planétaires. Elles sont faites pour réguler le marché, le monde financier, le monde économique et les échanges. Et donc, on ne peut pas prendre des solutions qui appartiennent à un domaine en espérant qu'elles sauvent un autre domaine. Ça ne marche ni théoriquement, ni en termes concrets. Par contre, on a besoin de nouvelles règles, on a besoin de nouveaux droits. Et on a eu hier un rapport de Reclaim Finance qui montre que les banques françaises, alors qu'on sait, on sait le réchauffement climatique, on sait l'accélération, on sait son origine anthropique, on sait qu'il faut arrêter de financer les fossiles. Bon, eh bien, les banques françaises du pays de l'accord de Paris continuent à financer de plus en plus les énergies fossiles. Et on peut même se targuer d'être dans le top 5 mondial, puisque BNP Paribas est le quatrième financeur des énergies fossiles dans le monde. Il y a quelques semaines, Notre Affaire à tous a sorti un rapport sur 25 grandes entreprises françaises dans laquelle on montre que quand on regarde les émissions dont sont responsables ces entreprises, c'est beaucoup de fois plus que la France dont on est responsable, c'est le scope 3, ça veut dire pas les émissions directes mais toutes les émissions induites, hein, on pourra revenir là-dessus si vous le souhaitez, mais elles sont responsables à 25 de près de 10 fois les émissions de la France, et pourtant elles n'ont toujours pas adopté de plan pour respecter l'accord de Paris. Et pourtant, elles se situent, si on prend leur trajectoire, sur une trajectoire à plus de 3 degrés Celsius. Et donc, on voit bien qu'en fait, ça ne fonctionne pas sans règles. On a besoin de ces règles-là. On a besoin de règles, on a besoin de changer la gouvernance des entreprises, on a besoin de devoirs de vigilance. C'est d'ailleurs ce sur quoi on s'est battu en France, on se bat au niveau européen aujourd'hui. On a besoin aussi de sanctions pénales, comme les écocides, de sorte aussi à ce qu'il y ait un cadre pour que plus jamais un dirigeant, une dirigeante d'entreprise, plutôt un dirigeant, mais voilà, dans le monde dans lequel on est, ne puisse subir une pression forte de ses actionnaires, des fonds activistes, pour l'entraîner à mener une politique de dépassement des limites planétaires et d'assassinat, en fait, de la planète Terre, si je peux utiliser ce terme-là qui est... Voilà, qui a aussi ses limites, évidemment. Mais donc, on a besoin de ce droit-là, et je crois qu'on a... Je m'arrêterai là-dessus, mais il y a un débat... dogmatique, pas dogmatique, mais de fond, académique, autour des nouveaux droits qui sont en train d'émerger autour de la planète. Et il y a ce qu'on appelle un droit global, qui est un droit qui est issu beaucoup du droit privé, surtout des contrats, des tribunaux d'arbitrage, publics ou privés, et de la RSE, heureusement, parce que sinon, ce serait que du droit privé-privé, mais aussi de la RSE. Et ce droit-là, il gagne en force au fur et à mesure des années, au fur et à mesure des décennies, et notamment dans les 50 dernières années de mondialisation financière importante. Il gagne en force et il s'impose. On a vu, par exemple, que l'Équateur a été condamné parce que les cours du pays avaient condamné Chevron pour avoir déversé des tonnes et des tonnes de litres de pétrole dans la forêt amazonienne, avec des victimes dans les écosystèmes, évidemment, mais aussi plus de 30 000 victimes humaines. Voilà. Et ben, les victimes n'ont pas obtenu justice, ni les humaines, ni les non-humaines. Et en plus de ça, l'Équateur a été condamné par un tribunal d'arbitrage public, malheureusement, pour avoir osé condamner Chevron. Et puis, plus proche de nous, aux Pays-Bas, il y a eu une victoire, parce qu'en France, on a eu la victoire de l'affaire du siècle. Aux Pays-Bas, il y a eu une victoire qui était celle de Urgenda face aux Pays-Bas. Et quand Urgenda a gagné face aux Pays-Bas, en condamnant l'État à devoir rehausser ses objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, il y a eu la fermeture des centrales à charbon. Et cette fois, c'est la multinationale allemande RWE qui a porté plainte contre les Pays-Bas. On espère que les Pays-Bas vont gagner, mais parce qu'ils ont voulu fermer les centrales à charbon plus vite
que ce qui était prévu. Ça, c'est le droit global. C'est le droit qui est en train de gagner. Et de l'autre côté, il y a ce que j'appelle, moi, en tout cas, le droit planétaire, qui est le droit de ces citoyennes et de ces citoyens qui, en agissant face aux États, face aux collectivités, face aux entreprises, essayent de récupérer le droit, de dire que oui, il y a un droit à un environnement sain qui doit être reconnu partout comme une coutume s'il n'est pas déjà dans les textes, que oui, il y a une obligation d'action pour le climat, pour la biodiversité, pour le respect des limites planétaires, que ces obligations-là, elles s'imposent à tout le monde et que le débat démocratique doit avoir lieu. Là, je sors du côté économique pour aller du côté politique, mais le débat politique et démocratique, il doit avoir lieu, mais dans un cadre, de la même manière qu'on a posé comme cadre pour les démocraties le respect des droits humains, et bien dans un cadre qui serait celui du respect du vivant et du retour de l'humanité dans le cadre des limites planétaires. Voilà pour le premier tour de vue. Merci beaucoup Marie. Désolée si ma question était vague, mais finalement, je n'aurais pas été capable de te poser une question qui aurait pu te permettre d'avoir ces mots-là. Donc, je te remercie. J'aimerais bien rebondir là-dessus et redonner la parole à Laurent par rapport à ce que Fabrice et toi venez de dire. Je reprends une courte phrase dans le livre de Laurent et vous allez voir, je pense que ça fait écho à ce que vous venez de dire l'une et l'autre. Laurent, dans ton livre, tu dis « Aujourd'hui, presque autant qu'hier, l'environnement appartient encore au domaine pour lequel le non-droit, donc le non-droit avec un tiret entre non et droit, est quantitativement plus important que le droit. » Alors, j'entends Marie ce que tu viens d'expliquer, hein, notamment ce nouveau droit qui est en train de s'imposer. Mais j'aimerais aussi, Laurent, que tu puisses peut-être, en miroir de ce que Marie et Fabrice précédemment viennent de présenter, que tu puisses, à l'aune de ce qu'ils viennent de dire, et puis évidemment ton expérience, nous expliquer cette phrase, le non-droit est quantitativement plus important que le droit. Oui, alors j'ai écouté ce que Fabrice et Marie ont dit avec grand intérêt. Je crois que cette phrase qui, je ne sais plus si elle est de Classe ou de Carbonnier, je n'ai plus exactement l'auteur en tête, mais elle veut dire une chose assez simple de mon point de vue, c'est qu'on a développé dans les années 70, à un moment qui était d'ailleurs extrêmement intéressant, hein, dans Stockholm, on a déjà les prodromes de ce qu'on va appeler le développement durable, et la même année, ça tout le monde le sait ici, je pense, dans cette salle virtuelle, nous avons le rapport Meadows, qui est un rapport qui, évidemment, entre en résonance avec le titre même du livre de Fabrice, évidemment. Et Marie est revenue sur la notion de limite planétaire. Pour moi, l'extraordinaire difficulté à laquelle on est confronté, elle est tout simplement due au fait que, d'abord, on a évoqué développement durable en pensant développement, mais sans s'interroger effectivement sur ce que devait recouvrir ce terme. Or, je précise que c'est quand même un terme qui a armaturé et orienté nos systèmes juridiques pour tenter de faire la synthèse ou la conciliation. Je reviendrai sur ce terme de conciliation tout à l'heure. Entre l'économie et l'écologie, alors que les racines sont communes d'ailleurs, et on a donc orienté nos systèmes à partir de cette notion de développement durable. L'énorme difficulté pour moi, c'est qu'en 1987, dans le rapport Notre Avenir à tous, le rapport Brundtland, le développement durable est absolument en phase avec cette analyse en termes de limites planétaires. Pourquoi ? Parce que ce qui est central dans le développement durable alors, c'est la question de la satisfaction de besoins aujourd'hui, mais en respectant deux choses. Bien sûr, c'est peu environnemental, mais c'est éthique, humain, en lien avec l'environnement. Les besoins des peuples d'à côté et les besoins des générations futures. Tu vois, donc, on est vraiment dans notre thème, hein, Taufik, ici. Donc ça, dans le rapport Brundtland, c'est une sorte d'idéal qui est magnifique. Mais qu'est-ce qui s'est passé depuis 87, déjà avant, de toute façon, depuis au minimum la fin de la Deuxième Guerre mondiale et depuis l'ère industrielle en réalité, c'est qu'il y a un point qui reste ce qu'on peut appeler une zone grise, c'est-à-dire un point aveugle, un point brillant, ou plus exactement un angle mort du développement durable, c'est la notion même de besoin. La notion de besoin est éjecté entièrement du système et du débat politico-démocratique. J'en veux pour preuve le fait que toute nouvelle technologie susceptible de susciter de nouveaux besoins n'est, au sens où Denis Gabor l'entendait, jamais mise en cause. Elle n'est jamais incluse dans le débat démocratique, ou alors elle l'est dans des conditions tardives, ou alors à grand renfort de moqueries et d'arguments légers qu'on doit à notre président de la République lui-même, du genre retour à la bougie, aux amis, etc. À propos de la 5G, tout le monde s'en souvient évidemment ici. Or, je suis désolé de dire des choses qui ne sont pas très agréables à entendre, mais je suis absolument convaincu qu'il est inutile
de s'interroger un seul instant sur la notion de limite planétaire, c'est-à-dire de capacité de charge, c'est-à-dire de s'interroger sur les règles physiques qui dirigent le monde, de les considérer comme, si je puis dire, une donnée irréductible et en tout cas indépassable, si par ailleurs on n'est pas en situation de renoncer à une forme d'expansion individuelle et collective de notre genre à nous ici sur Terre. Je ne vois pas comment on peut parler d'un développement en oubliant que des deux règles physiques et règles juridiques, c'est les règles juridiques qui doivent plier. C'est une sorte de loi qui n'est pas celle de la thermodynamique, mais ça me semble très très difficile de concevoir les choses autrement. Et ici, je me permets juste une chose, dans l'entretien des dissonances cognitives, et là je ne serai pas non plus, je ne ferai pas preuve d'angélisme ou d'irénisme à l'endroit des entreprises. D'abord, je commencerai à dire à Fabrice, et ce sera intéressant d'en discuter, qu'il y a 1000 façons d'entreprendre, et qu'il y a des façons d'entreprendre autour de services, autour de notions de collaboration, avec une faible empreinte dans le monde, et il y a des manières d'entreprendre dans le monde qui ont un impact physique absolument considérable, en termes de biodiversité, de climat, etc., d'émissions de GES. Donc déjà, ne pas s'interroger sur ce qu'entreprendre veut dire, avant même de s'interroger sur la façon dont on doit faire, hein, de l'objectif même de l'entreprise, c'est un problème. L'article 1833 du Code civil, depuis 2019, évoque la prise en compte de dimensions sociales et environnementales dans l'acte même d'entreprendre. La prise en compte, on aura peut-être l'occasion d'y revenir tout à l'heure, ça ne signifie rien en droit, ça n'est pas du droit. C'est le degré zéro, c'est à peine l'effleurement d'un début de commencement de conscience de ce qu'il faut faire. Un exemple, et j'en finirai avec ça pour donner la parole à laisser la parole, mais n'oublions pas que le fer de lance, l'un des fleurons industriels de l'aventure humaine, dans la fin de la première moitié du XXe siècle, c'est l'automobile. Et l'automobile est aujourd'hui extrêmement intéressante à étudier du point de vue des logiques de transition qui sont pensées, qui sont développées, sur lesquelles on communique, parce que ça réinterroge le meilleur système politique capable d'absorber le choc d'une transition qui doit être massive. Je l'explique en deux mots. On nous explique à grand renfort d'arguments et de publicité, venant des entreprises elles-mêmes cautionnées par l'État, que, en gros, si je peux dire, l'électrique, le glissement du parc thermique vers l'électrique sera la panacée. C'est ce qu'on nous dit. Et c'est ce que les publicités pour Zoé ou qui vous voulez nous sembleraient nous indiquer à nous autres, en nous disant, voilà, c'est notre nouvel Éden, c'est notre futur, la solution est là. Mais on arrête toujours le raisonnement du citoyen ou du récepteur de l'information à la prise électrique. Hein. On arrête ça ici, c'est-à-dire qu'on ne s'interroge pas sur l'essentiel et notamment sur le fait, par exemple, et non pas personne ne le sait, mais personne ne veut l'entendre, dans 90% des pays dans lesquels on va développer l'électrique, il faut s'interroger sur ce qui vient alimenter la prise électrique. Eh bien, à hauteur de 60 à 80%, c'est de l'énergie fossile. Si j'ajoute à cela les SUV, leur poids, le fait que sur les particules fines, on a bien d'autres problèmes liés au système de freinage, liés à l'usure des pneumatiques, etc. Voilà, tout est fait pour éviter d'avoir à se poser une question qui interroge le politique dans sa grande profondeur, dans sa profondeur globale, c'est comment on réaménage le territoire, comment on repense le déplacement. Là, ce qu'on fait, on déplace, sans du tout avoir une vision inclusive dont parlait Marie tout à l'heure, qui est une vision de représentation globale et inclusive, on déplace par une technologie non mise en question un problème en direction d'un autre, avec le même paradigme fondateur qui est ma capacité comme individu à me déplacer librement dans le monde où je veux quand je veux. Alors, je suis désolé, mais c'est très dur à entendre. En même temps, comme le disait Camus, mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Moi, je crois que si l'on refuse de se poser cette question du changement des règles de droit, alors que les règles du monde physique sont largement intangibles, nous allons au-devant de grandes catastrophes. Désolé, j'étais un peu long. Merci, Laurent. Non, tu n'as pas été long. Tu avais été plutôt court dans ta première intervention. Donc, je te remercie. Voilà. Alors, tu nous as expliqué beaucoup de choses. J'imagine peut-être que Fabrice ou Marie, vous pourriez répondre l'une ou l'autre dans l'ordre qui vous plaira. Et puis ensuite, ce que j'aimerais, c'est peut-être qu'on permette aux unes aux autres, je vois que sur la discussion publique, il y a des petites choses qui s'écrivent. Si vous avez des remarques ou des questions que vous souhaitez poser, on pourra prendre un premier tour de réponses, enfin de questions, pardon, parce que vous voyez bien que la discussion à trois avec Laurent, Fabrice et Marie pourrait durer des heures et des heures et que aussi l'intérêt, c'est aussi de savoir un petit peu ce que vous avez en tête. Donc, Fabrice, peut-être, comme ça on garde l'ordre qu'on avait tout à l'heure, est-ce que tu souhaites un peu réagir par rapport à ce que Marie puis Laurent viennent d'expliquer? Je crois qu'on a affaire autour de la table, il y a des gens qui sont conscients et bienveillants de
sur le problème. Maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant? Parce que bon, faire le procès du passé, de dire voilà, on s'est trompé, ça ne va pas nous avancer à grand-chose. Moi, je regarde le temps qui nous reste par rapport à ce que les scientifiques nous disent, le temps qui nous reste pour sauver ce qu'on peut encore sauver, c'est-à-dire de ne pas faire en sorte que nos enfants vivent dans une planète étuve à l'horizon de quelques années, même quelques dizaines d'années au plus. Et qu'est-ce qu'il faut qu'on puisse proposer à la fois aux législateurs, mais aussi aux entreprises, pour qu'on arrête de savoir qui a tort, qui a raison, parce que de toute façon, on ne va pas y arriver. Mais Fabrice, ouais. Fabrice, peut-être, c'est intéressant parce que tu as utilisé plusieurs fois ce terme « le législateur ». Mais en réalité, le législateur et la fabrique de la loi, elle ne repose pas uniquement que sur, par exemple, en France, nos députés, mais c'est un ensemble de personnes et d'organisations. Et dans le législateur, il y a les entreprises, puisque les entreprises, pas toutes, on n'est pas là. Non, mais voilà, je préfère le dire, on ne va pas mettre toutes les entreprises dans le même sac, mais il y a un certain nombre d'entreprises qui sont en situation de dissonance cognitive entre d'un côté ce qu'elles attendent de par exemple en l'occurrence du droit et de l'Assemblée nationale et de l'autre des actions de lobbying qu'elles mènent, que ce soit à Paris ou que ce soit à Bruxelles. Donc du coup j'ai bien compris ça et je vois bien ce qui se passe. Enfin, ça fait quand même des années que je vois le petit jeu qui s'opère entre certaines entreprises et ceux qui font les lois. Il y a quand même une troisième voie qu'on pourrait quand même essayer d'explorer ensemble pour sortir de cette impasse et de ces injonctions contradictoires dont on parle, c'est d'avoir en fait la possibilité d'avoir un traçage à long terme de là où on veut arriver. C'est-à-dire qu'on remette en place une planification, en fait. Une planification de qu'est-ce qu'on veut comme en énergie, qu'est-ce qu'on veut comme agriculture, qu'est-ce qu'on veut comme urbanisme, etc. Et qu'on mette en place des dispositions pour atteindre des objectifs long terme, parce que les entreprises, en fait, il y a vraiment quelque chose qu'elles n'aiment pas du tout, c'est la variabilité permanente de la régulation en fonction des changements de gouvernement. Un gouvernement met en place une disposition, l'autre le défait, tout simplement parce que ce n'est pas la même couleur politique qui avait mis en place telle ou telle régulation. Et ça, ce jeu de yo-yo est très, très, très préjudiciable à la capacité que les entreprises peuvent avoir à adapter leur outil économique, en fait, leur processus de production. Et je pense qu'on a besoin d'avoir des politiques qui fixent des enjeux de long terme et que ce soit immuable. Voilà, si on décide demain qu'en matière de performance énergétique dans le bâtiment, eh bien, c'est zéro consommation, et c'est possible de faire que du bâtiment passif en France, on le met dans la loi et ensuite on le fixe. On fixe des échéances à 2025, à 2030, à 2035 et que les entreprises aient le temps de se préparer à cela. Et je pense qu'on a vraiment besoin de cette planification à long terme dans tous les domaines et que ce soit immuable. Je pense que si on arrive à cela, on a peut-être une chance d'arriver à prendre en compte enfin les enjeux de long terme. Regardez ce qui s'est passé sur le photovoltaïque en France il y a quelques années avec ces allers-retours permanents, ces changements permanents dans les tarifs de rachat, etc. Ça a tué complètement la filière et ça, c'était une erreur majeure. Pareil, toutes les lois qui se sont contredites dans l'agriculture, on le voit sur les néonicotinoïdes en ce moment, un coup j'interdis, un coup je réautorise, un coup j'interdis, c'est juste détestable. Le courage politique, c'est d'arriver à fixer des lignes d'horizon et de s'y tenir. C'est ça qui nous manque le plus. Et je pense que si on arrive à mettre ça en place, là, les entreprises accepteront les règles du jeu. Merci, Fabrice. Laurent, j'ai l'impression que tu veux rebondir. J'allais le faire, moi aussi. Eh bien, vas-y, Marie. Excuse-moi, Laurent. Non, mais je suis hyper d'accord. Non, je voulais rebondir sur il faut fixer des lois de long terme et les respecter. Et je crois que ça, c'est essentiel. Et c'est ce qu'on a soulevé avec l'affaire du siècle, c'est qu'il y avait des lois, des objectifs qui avaient été fixés, qui n'étaient par ailleurs pas au niveau de l'accord de Paris, mais ça, c'est une autre question, mais qui n'étaient pas tenus. Et donc, que ce soit pour les entreprises ou pour les États, en fait, pour tout le monde, de la même manière que chaque citoyenne et chaque citoyen est tenu de respecter la loi, une fois qu'on les fixe, il faut les tenir. Et je n'ai que peu de mal à croire, ou en tout cas, je pense qu'on peut dire assez librement
que les entreprises sont bien plus nombreuses à respecter leur trajectoire que les États, ou en tout cas, quand elles ne les tiennent pas, il y a des conséquences tout autres. Voilà, puisque en l'occurrence, on voit bien que quand l'État français est condamné, ça continue à tarder, que ce soit en matière de pollution de l'air, de conditions de vie dans les prisons, de climat. Bon, voilà. Ça, c'était le petit mot voilà, en complément de ce que disait Fabrice. Je suis aussi, enfin, pour revenir sur cet enjeu de long terme, je pense que c'est effectivement l'un des enjeux clés. Je vous disais tout à l'heure que le droit, c'était un droit anthropocentrique, vraiment de la domination de l'humain sur la nature. C'est aussi un droit du court terme. C'est un droit qui peine à tenir compte du long terme, y compris en termes de méthode d'écriture juridique. On ne sait pas écrire véritablement la prise en compte des enjeux de long terme. Et Fabrice parlait tout à l'heure des pollutions diffuses. C'est l'un des sujets. On ne sait pas vraiment comment écrire des règles qui tiennent compte des pollutions diffuses. Alors, je ne sais pas exactement à quoi vous faisiez référence tout à l'heure, mais les pollutions diffuses, c'est aussi l'amiante, c'est les poussières des mines, c'est les pesticides, c'est tout ça qui sont diffus dans le temps et dans l'espace et qu'on ne sait pas écrire. Mais donc, on a besoin de ces trajectoires de long terme. Moi, je n'utilise pas tellement le mot planification parce que là, je vais introduire peut-être une nuance qu'a un peu soulevé Laurent. Quand on dit quand on met en place des paradigmes, par exemple le paradigme de la voiture pour se déplacer, et puis maintenant, on va vers le paradigme de la voiture électrique comme si ça allait être la réponse à tout, alors que ça aussi, ça bouffe des ressources, et que si on développe la voiture électrique partout à grande échelle, en fait, on va être dans d'autres questionnements que ceux du diesel et du pétrole, mais on va rester dans des questionnements qui sont des questionnements de finitude des ressources et de toxicité. Donc, de toute manière, à chaque fois, qu'on va prendre une solution et la déployer à grande échelle, etc., en étant certain et sûr de nous, ça va poser des problèmes. Du coup, on a besoin de se fixer des objectifs de moyen et de long terme. Je dis moyen parce qu'on approche de plus en plus vite de la catastrophe, donc il faut se dépêcher un peu. Mais on a ce besoin-là, pour le secteur public comme pour le secteur privé, ensemble, si possible. Attention en évitant le fait que, ce que tout de suite souligné, on soit bouffé par les lobbies. Je prends un exemple. Aujourd'hui, en Europe, on doit prévoir nos infrastructures. Là, on discute, juste après, quand je raccroche avec vous, je vais discuter de comment est-ce qu'on planifie nos infrastructures énergétiques européennes pour les 30 à 40 prochaines années. Ben, le problème, c'est qu'aujourd'hui, ceux qui font les estimations des besoins et les propositions de déploiement des infrastructures, ce sont les producteurs gaziers. Et donc, en fait, tant que c'est eux qui gagnent de l'argent quand on construit des infrastructures et que c'est eux qui doivent estimer combien il y a besoin de gaz pour en mettre le gaz dedans, on ne s'en sort pas, en fait. Enfin, c'est normal. Donc, ça, il faut absolument en sortir. Il faut que ce soit basé sur la science, mais aussi démocratique, et qu'on soit en capacité, non pas d'avoir un paradigme, une solution qu'on applique comme des bourrins, comme des personnes obtus et comme une société obtue, obstinée, mais qu'on soit en capacité quand même, quand je parle des droits de la nature, pour moi, ça s'applique aussi à l'économie, en capacité d'évaluer constamment quelle est notre empreinte écologique réelle, alors pas au sens empreinte carbone, mais notre incidence, notre impact continu sur la nature et sur l'évolution des espèces, parce qu'on sait bien que en échange avec le vivant, il y a des espèces qui disparaissent, d'autres qui reviennent, d'autres qui bougent, mais qu'en tout cas, on soit constamment à l'écoute de ce que nous dit le vivant et de ses besoins, sans évidemment que ça n'entrave la capacité de l'action humaine. Merci Marie. Laurent, vas-y, hein, je suis pas obligé de faire le passe-plat, tu peux rebondir, je crois que tu voulais prendre la parole. Et puis après j'ai une question et j'aimerais me tourner vers le public. Oui, très, très brièvement, pardon. Non, mais simplement pour rebondir en deux temps très courts. Le premier, je suis assez sensible à ce qu'Aude Farinetti nous dit dans la conversation. Je crois qu'il ne faut pas non plus faire preuve, là encore, d'une forme d'ingénuité autour des conditions dans lesquelles se fabrique le droit. Hein, la formule de Bismarck, la loi c'est comme les saucisses, il ne faut pas regarder trop près comment c'est fait, on l'a tous à l'esprit. C'est-à-dire qu'en général, il y a quand même des rapports de force. Hein, il faut pas... ou alors nous avons toutes et tous une sorte de socle de valeurs communs. Ça, c'est très joli. Puis quand on atterrit dans le réel, c'est le crash frontal, puisqu'en réalité, nous avons des intérêts privés qui se télescopent et qu'il faut concilier. D'ailleurs, la question de la conciliation est centrale ici. Donc, cette idée qu'on pourrait planifier à long terme, on verra la question de la stabilité dans un instant, de façon un peu harmonieuse, etc., moi, je m'en défends. Et en tout cas, comme en tant que juriste,
moins bien placée que Marie, qui, elle, est au, si je puis dire, au clash quotidien avec ces questions-là. Quand on regarde la façon dont se fabrique le droit de l'intérieur, c'est toujours une lutte. D'ailleurs, le droit de l'environnement est historiquement un droit de lutte. Il s'est inséré dans le système juridique en manière de réaction à des éléments délétères ou qui posaient problème. Donc, il ne faut pas se leurrer un seul instant. Il ne s'agit pas forcément d'une sorte de remake de la lutte des classes ancienne manière, pas forcément ça, mais en tout cas qu'il y ait des chocs d'intérêts, c'est une évidence absolue. Et la question du capitalisme, dont nous n'en avons pas parlé du tout, qui, après avoir été industriel et devenu financier, si on ne la met pas sur la table, on va avoir beaucoup de mal à échanger en profondeur et de manière sérieuse sur le sujet. Deuxième élément, quand Fabrice évoque la dimension de la stabilité en lien, bien sûr, avec ce que les juristes connaissent sous le nom de sécurité juridique, par exemple, j'entends parfaitement bien que les entreprises ont besoin de cette stabilité, de cette sécurité. Je veux dire, je l'entends de manière intime, j'y crois tout à fait. Mais il faut aussi savoir que le droit, c'est un ensemble d'artefacts et d'outils qui doivent s'adapter. D'ailleurs, le titre même du projet de loi climat-résilience nous indique à quel point le droit, Marie l'a laissé entendre, doit en permanence s'adapter, par exemple, à de nouvelles connaissances scientifiques, à de nouvelles données technologiques, qui font que vous allez beau maintenir le cap à horizon 20, 30, 100 ans, 200 ans, il faut toujours en permanence le remettre sur le métier pour le réadapter de manière fine à de nouveaux enjeux quand certains sont dévoilés, et en tout cas à de nouvelles problématiques, qui sont des problématiques sociétales, des problématiques techniques, technologiques. Donc c'est très joli hein, d'évoquer ça, et Fabrice était le premier à dire « brisons-la, arrêtons de regarder derrière, regardons devant », oui, mais regarder devant, ça suppose de bien savoir ce que faire du droit veut dire, au juste. Hein. Et par ailleurs, les questions de programmation, de planification, de coordination interrogent fondamentalement la limite peut-être de la place d'entreprise en tant que filière ou en tant qu'entité fermée et même ouverte dans leur capacité à programmer, à planifier. Et ça interroge d'autres choses, ça interroge les PIB, qu'on le veuille ou non, ça interroge les conditions dans lesquelles on attribue de la valeur à des richesses ou on met de la richesse dans des valeurs. Voilà. Ça, je crois qu'on ne peut pas en faire l'économie. Et une fois encore, la question de la stabilité du droit n'enlève rien à l'irréductible et nécessaire adaptation du droit en permanence. Surtout sur des considérations scientifiques, le droit de l'environnement est traversé par l'aide à la décision apportée par les sciences, donc on ne peut pas en faire l'économie, me semble-t-il, aussi simplement que ça. Merci beaucoup, Laurent. Alors, dans la description, et merci d'avoir répondu au message, en tout cas au point qui a été posé par Aude, il y avait également une autre question qui avait été posée par Timothée précédemment. La question derrière la gouvernance mondiale. Et donc, Timothée pose la question de comment intégrer ceci, donc la question de la gouvernance mondiale, avec les besoins actuels de souveraineté. Oui. Moi, je veux bien, enfin, je ne sais pas si quelqu'un veut intervenir, mais moi, je suis constitutionnaliste de formation, historien des idées politiques, et donc la notion de souveraineté me parle un tout petit peu. Alors, je n'ai pas forcément une grande autorité pour en parler, mais ce que je crois, si vous voulez, c'est qu'effectivement, et Fabrice et Marie ont évoqué ça à des titres divers. La question d'une gouvernance mondiale, elle est à la fois, c'est un paradoxe, absolument impératif. La quasi-totalité des problèmes auxquels on est confronté ne peuvent s'appréhender et se régler qu'à des échelles, évidemment, supranationales, mondiales, etc. Et en même temps, je crains que, quand même, pour l'essentiel, notre vieux modèle issu des traités de Vienne et compagnie, enfin, issu d'une certaine façon des États-nations déjà un peu anciens, ce vieux modèle-là, il fait que les États sont, et les entreprises par-dessus, dans une forme d'état de nature. C'est-à-dire qu'il y a une anomie qui est assez puissante et dont témoigne parfaitement bien une forme d'inefficience du droit international public. Nous sommes tous très au courant de ça. Une forme d'inefficience. Donc, la question, c'est peut-être de savoir, en lien avec la séparation des pouvoirs qu'évoquait Marie tout à l'heure, si on ne va pas assister à une sorte de grand, non pas renversement, mais un chambardement, malgré tout, des acteurs, dans le monde des acteurs. C'est-à-dire que les points de résistance allant à la grande entreprise, à certains points de vue, ce sont des collectifs, c'est une forme de société civile internationale, poussée parfois par les réseaux sociaux. Donc la vraie question, c'est de savoir si, par rapport à ce lieu de souveraineté, où va se situer l'îlot ou le lieu de résistance à certaines façons de faire qui ne sont plus compatibles avec les limites planétaires. Moi, je crois beaucoup à la société civile, je crois parfois plus aux collectifs qu'aux individus, mais je ne suis pas certain que les États qui sont souvent dans la main d'énormes superstructures économiques soient aujourd'hui en situation de, si je puis dire, de véritablement enrayer la chose, d'autant que du point de vue international, ils gardent cette souveraineté qui est au cœur de la question qui nous a été posée, c'est-à-dire une capacité à se retirer du jeu, à dire je n'accepte pas la compétence de la Cour internationale de justice, je mets une réserve à tel accord, enfin il existe
un monceau d'outils en droit international qui permettent à l'État de conserver d'un certain point de vue sa trajectoire initiale ou sa souveraineté. Et en plus, il y a la question très profonde de l'interaction État-grandes entreprises. Là, aujourd'hui, je pense que les États sont à certains égards de vieilles lunes. Hein. Je suis peut-être un peu dur en disant ça, mais les États ne sont peut-être plus l'endroit où ça peut se passer véritablement. Pas seulement pour des raisons écologiques, hein, pour d'autres raisons aussi, des raisons d'évolution historique des structures, hein, d'organisations humaines. Vous savez, ce que Nicolas Hulot disait il y a quelques années, c'est comment voulez-vous que 192 États qui ont des intérêts divergents culturellement, géopolitiques, arrivent à se mettre d'accord. Ils prenaient la métaphore de la réunion de copropriété. Hein. C'est, exactement. On en est là. Parce que, en fait, l'intérêt particulier pour eux prône toujours l'intérêt national. Et on voit bien d'ailleurs que la montée du populisme partout sur la planète, on assiste plutôt en fait à ce retour aux frontières, à la souveraineté. Alors même si l'expérience Trump a peut-être vacciné, c'est le moment de le dire, un peu les Américains pour les 4 prochaines années, mais rien ne dit qu'il ne reviendra pas dans quelques temps. On voit les scores que font des gens comme Bolsonaro ou même le Front National en France. Moi, je ne crois pas qu'on arrivera à se mettre d'accord au niveau international, en tout cas pas dans un proche avenir. Ce qui peut fédérer en fait ce qui peut fédérer les peuples, c'est d'avoir une tragédie mondiale qui fasse qu'on retrouve un pourquoi commun. Et le pourquoi commun, on voit bien au travers de cette pandémie, il y a le début du commencement d'une espèce de solidarité, alors pas dans le trading des vaccins, c'est le moins qu'on puisse dire, mais quand même, il y a eu un mouvement mondial de protection, et ça peut peut-être donner un espoir, mais ce qui est dommage, c'est qu'il faut attendre que la crise survienne pour créer ce mouvement de solidarité internationale. Donc si on attend des canicules monstrueuses qui tuent des millions de gens pour qu'on commence à s'occuper du problème, bon, c'est Jean Monnet qui disait qu'il fallait que en fait, l'humanité n'a jamais réagi que par des crises. En fait. Alors faut-il attendre une crise majeure pour réussir à changer de paradigme économique? Mais, hélas, c'est peut-être ça qui va se passer. Mais à quel coût humain, encore une fois, et à quel coût pour la biodiversité? Mais il y a une autre voie qui me paraît peut-être être un contournement à cette attente de crise systémique qui permettrait enfin d'agir. C'est, comme ça a été indiqué par Marie dans sa question, c'est l'émergence d'une nouvelle façon de compter la valeur. Et ça, moi j'y crois en tout cas, et c'est ce qu'on exprime d'ailleurs avec Céline dans le livre qu'on a coécrit, d'arriver à imposer et le faire imposer par les communautés financières, une nouvelle façon de compter la valeur. Donc, cette fameuse comptabilité du triple capital. Car si on arrive à mettre dans la tête des entreprises, et c'est en train d'arriver, qu'elles ne pourront pas être pérennes si elles ne préservent pas leur capital naturel, et qu'elles doivent donc mettre en place les outils comptables et les provisions comptables et les investissements qui vont être nécessaires demain pour protéger leur capital naturel qui leur sert pour faire du business, eh bien, si les entreprises comprennent cela, que c'est dans leur intérêt, eh bien, on peut avoir rapidement un nouveau système comptable mondial qui va placer au centre la préservation du capital naturel. Car les entreprises se rendent compte à vitesse grand V en ce moment, et je suis bien placé pour vous le dire, qu'il ne pourra pas y avoir de pérennité économique, il ne pourra pas y avoir de business pérenne si le capital naturel est dégradé et durablement dégradé. Mais Fabrice, j'aimerais te couper là-dessus et je te laisserai répondre à ma question et je pense que Marie aura des choses à redire, mais est-ce qu'aujourd'hui, nous disposons, et quand je dis « nous », je parle de « nous » en Europe, alors « européen élargi ». Quand je parle de « nous », je parle de « nous », des États-Unis à l'Australie en passant par l'Europe, parce qu'il est bien évident que ce n'est pas au Burundi ou au Lesotho qu'on va demander aujourd'hui ces efforts-là, mais est-ce qu'on dispose des concepts, des mots pour faire ceci? Et je vais au bout et je te laisse répondre. J'ai plusieurs exemples en tête et j'aimerais qu'on aille peut-être discuter un peu de la philosophie des Lumières si on a le temps, mais Laurent disait dans son livre que, alors je crois que tu parles de biodiversité ou d'écologie, je ne me rappelle plus du terme, désolé, mais en fait, pour faire simple, en français, on a biodiversité qui est un terme fourre-tout, comme on a beaucoup de termes fourre-tout alors qu'on a pourtant une langue riche.
alors que des Amérindiens, dont Laurent me rappellera le nom, ont par exemple 13 verbes pour décrire les mouvements de tête du crocodile ou de l'alligator. Ce que je veux dire par là, c'est que... Le du Paraguay. Voilà, exactement. Est-ce qu'aujourd'hui, j'entends l'intérêt du triple capital, mais finalement, est-ce que on n'a pas... est-ce qu'avec le triple capital, alors peut-être qu'il faudrait que tu expliques en deux mots ce qu'est le triple capital pour, je ne sais pas si tout le monde est au point sur cette notion, mais est-ce que finalement, les outils que nous pensons ne sont pas limités par notre conception du monde jusqu'à même considérer l'anthropocène, puisque finalement l'anthropocène, après tout, c'est une vision anthropocentrée du monde, considérer que l'homme est la principale force géologique depuis X centaines d'années. Voilà, donc j'aimerais t'entendre là-dessus, Fabrice, et peut-être que Marie aura à rebondir. Non, mais pour ceux qui ne sont pas familiers avec cette notion de triple capital, c'est un concept récent. Hein. C'est Jacques Richard qui était l'un des premiers, dans son bouquin en 2008, je crois, à présenter une méthode qu'il a mis au point à l'Université de Dauphine, la méthode CAIR, qui considère en fait que les entreprises auraient tout intérêt, dans leur propre intérêt, à maintenir au coût de maintien leur capital naturel qui leur sert à faire du business. Parce qu'on part du principe que le business, c'est ni plus ni moins que des matières premières naturelles transformées avec des convertisseurs, qui elles-mêmes alimentées par des machines, qui consomment de l'énergie. Et si les matières premières sont altérées ou s'il y en a moins, il n'y aura plus de business. C'est la fameuse citation, quand on aura pêché le dernier poisson et abattu le dernier arbre, on va s'apercevoir que l'argent n'est pas comestible. Donc, les entreprises font du business parce qu'elles exploitent des matières premières qui sont considérées aujourd'hui, comme gratuites et infinies. Et c'est pour ça qu'on les utilise sans réserve et sans limite. Donc, si on veut préserver le business de demain, il faut préserver à la fois les ressources, mais aussi les écosystèmes dans lesquels elles évoluent. Parce qu'une ressource n'a de sens, mais ne peut prospérer que dans un écosystème qui est préservé. Et donc, si demain les entreprises comprennent ça et elles sont de plus en plus nombreuses à le comprendre, elles vont intégrer dans leur bilan, dans leur compte, eh bien, les investissements qui vont être nécessaires pour préserver les écosystèmes dont elles dépendent. Et une entreprise qui utilise du bois aura tout intérêt à s'enquérir que les réserves en bois sont suffisantes en qualité et en quantité si elle veut continuer son business de bois. Alors ça, c'est vraiment très facile à comprendre comme ça, mais c'est beaucoup plus complexe dans le cas d'une entreprise qui utilise de multiples de catégories de matières premières transformées dans une chaîne de valeur extrêmement complexe. Mais d'introduire cette notion de préservation au coût de maintien du capital naturel en intégrant ça dans les prix de vente, bien entendu, ça va complètement changer la physionomie de la réalité des performances économiques des entreprises. Parce qu'aujourd'hui, les entreprises qui gagnent le plus d'argent sont les entreprises qui sont les plus polluantes. Ah oui, pourquoi ? Parce qu'en fait, elles ne payent pas les dégâts qu'elles causent à la nature. Si c'était le cas, elles seraient autrement moins performantes d'un point de vue financier. Donc, ce qu'il faut pouvoir maintenir, ce n'est pas simplement le capital financier, mais c'est le capital humain et le capital naturel. Et ces normes comptables existent aujourd'hui. C'est complexe, il y a beaucoup de débats sur la façon de les utiliser, mais il y a des pilotes qui sont en train de se mettre en place, et pas simplement qu'en France. Et la comptabilité analytique en partie double existe depuis Pacioli, depuis le 5e siècle, je crois. Je suis persuadé, je ne suis pas persuadé de grand-chose, mais ça, je le pense, qu'on mettra moins de 15 siècles à adopter une comptabilité de triple capital que ce qu'on a mis que l'historique de la comptabilité classique. Et on a tout intérêt à accélérer ce mouvement, à partir sur des approches volontaires, parce que, hélas, encore une fois, le droit arrivera trop tard. Hein, c'est pas comme Zorro, hein, Zorro, il arrive à l'heure, mais là, le droit arrivera trop tard. Et on a intérêt à partir sur des approches volontaires pour tester cette approche et faire comprendre aux investisseurs, faire comprendre aux observateurs en fait, de la performance d'entreprise que les entreprises qui sauront le mieux préserver leur capital naturel sont en réalité les entreprises qui seront les plus pérennes, donc qui seront les plus pérennes et qui seront les plus profitables, entre guillemets, sur un horizon de long terme, alors que celles qui ne le feront pas vont peut-être gagner plus d'argent pendant encore quelques temps, mais c'est celles qui vont disparaître les premières. Donc, en fait, pour faire simple, on a le choix entre gagner beaucoup et ça ne va pas durer très longtemps et gagner sans doute un peu moins, mais durer plus longtemps. Ça, c'est un vrai choix que les entreprises vont devoir faire dans les années qui viennent. Merci Fabrice. Je ne te mets pas dans une situation facile et j'aurais envie de te pousser un peu plus contre les corps de notre estrade, ou j'allais dire ring de boxe, mais on n'est pas dans un ring de boxe justement. Et puis moi, je ne sais pas boxer.
J'entends, et tu as raison, et je vois bien, en tout cas, quand je dis tu as raison de pousser pour ces solutions-là, enfin, dans la posture qui est la tienne, et tu l'as bien précisé tout à l'heure, qu'on soit d'accord ou pas, hein, tu dis, moi, je regarde devant. Moi, la question, et j'aimerais la remettre sur la table, c'est la question des concepts, des mots. Alors, c'est intéressant, dans la discussion publique, et je remercie Aude, Rémi, qui ne souhaitent pas prendre la parole, mais qui posent des choses aussi par écrit, qui mettent sur la table la question du productivisme, de l'extractivisme. Moi, j'aimerais vraiment revenir sur ces termes et aller plus loin, parce que, en fait, j'entends la nécessité de poser des outils d'ordre comptable, j'entends de s'assurer que le droit puisse être coercitif, mais on n'est pas arrivé là par hasard. Et Marie le disait tout à l'heure, tu le disais, Marie, dans ton introduction, tu faisais référence aux Lumières. Et finalement, la question de la liberté de faire ce qu'on veut et d'être puni derrière, hein, mais c'est un peu ce qui se passe pour les entreprises, elle n'est pas là par hasard. Et une dans nos discussions, alors de discussions que j'ai pu avoir avec les uns et les autres, est venue notamment la question des mots qu'on emploie, et par exemple de ce terme d'individu. Le terme d'individu, de citoyen, d'acteur, finalement, est très isolant, et qu'on a quasiment rié de nos vocabulaires des termes, des mots qui nous mettent en relation. Je faisais notamment lors d'une discussion avec Morgane. Morgane, je ne sais pas si tu es là. J'espère que tu es là. Mais Marie, je te laisse répondre. J'ai vu, Laurent, que tu levais la main. Mais, le fait, finalement, dans la Constitution, dans nos textes de droit, et pas que, de passer, par exemple, des notions d'individu à des notions telles que être humain, voire être vivant. En fait, finalement, ma question, ou ce que je mets sur la table, c'est la question de l'éducation. C'est-à-dire que j'ai le sentiment qu'on ne pourra pas s'en sortir vers l'avant uniquement avec les outils, sans appréhender la question de l'éducation, des mots, des concepts qu'on emploie, et de s'ouvrir aussi, nous, et là, quand je dis nous, c'est nous, Européens, à d'autres manières de faire. Donc, Marie, je suis désolé si ma question est une nouvelle fois très vague, mais j'ai le sentiment que par rapport à ta première intervention et par rapport aux récentes interventions de Fabrice et Laurent, tu pourrais nous éclairer un petit peu sur, finalement, quelle pourrait être la place de ces nouveaux termes, de cette nouvelle pensée dans nos corpus qui sont finalement relativement figés depuis X temps. Ouais, merci. Alors, c'est effectivement, il y a plein de choses auxquelles répondre. Moi, au début, tu finis sur l'éducation, mais dans ce que tu disais au début sur les termes, la capacité de penser l'anthropocène, ça me faisait penser à Gunther Anders et à la manière dont il a souligné le fait que on a du mal à se projeter dans quelque chose que l'on ne peut imaginer véritablement. Et ça, c'est vrai que le défi qui est devant nous, il apparaît incommensurable et on a du mal à réagir et à réagir suffisamment vite parce que on a peine à imaginer ce qui peut advenir demain. Et ça, c'est un enjeu. Mais je vais faire un petit détour avant de revenir sur la fin de ta question et sur l'éducation, parce que voilà, on se dit plein de choses et c'est hyper intéressant. Je pense qu'on pourrait rester 5 heures, et puis en plus avec l'intervention des participants, etc. Moi, j'aimerais rebondir aussi un peu sur le débat souveraineté, productivisme, extractivisme. J'admire beaucoup, comme beaucoup de monde, Mireille Delmas-Marty, et elle pointait du doigt 3 dogmes qui s'imposent aujourd'hui dans nos sociétés et qui nous empêchent de faire le passage, le pas, vers un basculement de modèle. Et pour elle, ces 3 dogmes-là, c'est le dogme de l'anthropocentrisme dont on a parlé tout à l'heure, et sur lequel je reviendrai pour répondre à Philippe, mais c'est aussi le dogme de la croissance qui guide toute notre politique économique. Et donc, c'est là où je reprends productivisme et extractivisme. C'est vrai qu'il y a un productivisme, il y a un extractivisme, il y a une recherche de la croissance qui n'est pas capitaliste, ou en tout cas qui ne s'insère pas dans le modèle capitaliste. Ce que je veux dire, c'est que le capitalisme, c'est la recherche de la croissance, évidemment, mais qu'il y a d'autres modèles qui peuvent eux-mêmes nourrir une société, un modèle économique, un mode de production, de consommation, qui sont des modes de production et de consommation destructeurs. Et donc, je crois, et là, on revient à la question des mots aussi, je crois qu'il faut savoir ce à quoi on s'oppose, ce dont on veut sortir, mais qu'il faut par contre être très humble sur le fait qu'on ne sait pas encore
ce que peut être une société écologique, ce que peut être une économie écologique, et que ça, il faut qu'on le construise et qu'on le construise ensemble. Et c'est intéressant, oui, parce que quand on parle des trois, c'était quoi, c'était des trois capitaux, c'est ça les bons termes, et des nouvelles normes comptables, quand on parlait tout à l'heure des limites planétaires, ce sont de nouveaux concepts qui sont finalement en train de venir un peu tard, à notre rescousse, pour essayer d'inventer justement ce modèle à la fois de société et économique qui est le modèle d'après. Et puis, le troisième dogme auquel une économie des communs communisme. Oui, mais malheureusement, le communisme a embrassé le productivisme et la poursuite de la croissance. Ça a été d'ailleurs la grande cession, on va dire, que Marx a fait au capitalisme et au productivisme, parce qu'on est resté dans ce modèle. Et effectivement, il faut qu'on arrive à revenir au commun et à penser les communs naturels mondiaux. Donc, je vous parlais de trois dogmes. Anthropocentrisme, croissance, et le dernier, c'est évidemment celui de la souveraineté. Et je reviens à la première question à laquelle je n'ai pas eu l'occasion de répondre. Et Myriel Elmas-Marty dit, attention, il faut qu'on sorte du dogme de la souveraineté solitaire et qu'on en vienne à un dogme d'une souveraineté solidaire, qui serait une souveraineté augmentée. Parce qu'on aurait conscience, et là aussi les mots comptent, on aurait conscience qu'il y a des communs naturels mondiaux dont nous sommes tous responsables, que nous avons tous en partage, et pour lesquels il faut établir justement une économie des communs, une société des communs, un droit des communs. Et donc là, on va vers un changement de terme, un changement de mot. Effectivement, je vous raconte une petite anecdote. En octobre dernier, dans une résolution sur les forêts du Parlement européen, j'ai demandé à ce que les forêts anciennes et primaires soient reconnues comme des communs naturels mondiaux. Eh bien, les services de traduction ont complètement dénaturé les termes que j'avais utilisés, et ça s'est transformé en biens publics mondiaux. Sauf qu'en fait, il y a des différences, on pourrait y revenir, mais il y a des grandes différences quand on emploie le mot « bien », qu'on arrive à l'OMC, ce n'est pas la même chose que quand on emploie le mot « commons ». Un bien, c'est aussi quelque chose qu'on peut secouer, balancer contre un mur, vendre, échanger, ce n'est pas vivant. Ce n'est pas comme les communs naturels qui sont vivants. Bon, voilà, on pourrait accumuler les publics et communs, ça ne veut pas dire la même chose. Voilà. Donc, c'est pour vous donner une anecdote de ces nouveaux mots qu'effectivement, il faut qu'on se saisisse. Et cette souveraineté solidaire, on l'a construit. Et là, je partage un peu l'opinion à la fois de Fabrice et de Laurent, mais quand même avec une préoccupation pour le rôle de l'État et des États. On le construit aussi parce qu'on se ressaisit de notre droit. Voilà, et je reviens à mon opposition au départ de droit global face au droit planétaire. Je crois qu'on a besoin de se réapproprier notre droit par la jurisprudence, par l'écriture de la loi, mais en se ressaisissant de cette question-là comme d'un véritable outil démocratique et d'émancipation, et établir un droit de la protection des communs, des droits de la nature, c'est une forme de récupération de notre dynamique et de notre mouvement d'émancipation. Et cette souveraineté solidaire, il faut qu'on réussisse à la faire émerger, je crois, par le bas. Et ce qui, moi, me donne beaucoup de foi et d'espoir dans le fait que ça arrive, c'est qu'avec Greta Thunberg, il y a le premier mouvement social mondial qui est né. C'est un mouvement social pour le climat, par les jeunes. C'est le premier véritable mouvement social mondial qui est structuré, qui se donne des rendez-vous, qui partage ses mots d'ordre, qui poste les mêmes photos, qui a les mêmes codes. Voilà, quel que soit l'état dans lequel on vit. Mais par contre, le bémol que je mettrais, et que pas que sur l'éducation, j'ai répondu sur les mots, bon, l'éducation, oui, il faut qu'on apprenne, c'est commun, etc. Mais le bémol que je mettrais, c'est que pour moi, l'État, les États, et le plus haut niveau démocratique possible, sont quand même des garants et doivent être des garants du respect à la fois des droits humains et de la protection de l'environnement, de la protection du vivant. Et je mets le mot État derrière tout échelon démocratique, aussi le niveau territorial. Je voyais quelqu'un dans le chat tout à l'heure qui parlait du niveau territorial. En tout cas, le collectif et l'assemblée commune, pour en revenir aux racines grecques, est pour moi un élément qui n'a jamais été aussi indispensable, en fait, à la survie humaine. Et peut-être qu'après, on aura le temps, je ne sais pas, il est moins 10, mais de parler des solutions par le marché, parce que ça peut être aussi l'objet de 2 heures de débat. Ben ouais, merci Marie. Il nous reste 10 minutes. Je ne sais pas si on pourra rentrer sur les solutions par le marché. D'ailleurs, dans ton message, tu as introduit une critique, en tout cas, on peut aller vers une certaine forme de marchandisation de la nature. D'ailleurs, petite anecdote, je sais, Fabrice, que
Non, j'imagine, Fabrice, ce que tu pourrais dire, mais je pense que tu seras plutôt d'accord avec celle-ci. Tesla, une entreprise que vous connaissez toutes et tous, a été bénéficiaire au dernier trimestre, et même des trimestres précédents, uniquement ou quasi uniquement grâce au crédit carbone, donc grâce aux droits qu'ils échangent sur les marchés carbone. C'est quand même intéressant, hein, puisque c'est une entreprise qui a bien des égards et est pointée comme une entreprise vertueuse de par les véhicules électriques qui seraient en transition par rapport aux véhicules polluants. Certes, il y a des critiques hein, sur Tesla, mais c'est quand même intéressant de voir que finalement, cet instrument est devenu un instrument de rentabilité qui permet d'alimenter la croissance d'une entreprise, dont les externalités sont assez pesantes. Mais il reste que 10 minutes, et du coup, j'ai essayé de remonter un petit peu les différentes questions. Il y a Julie, tu as été assez active. Je ne sais pas si on a répondu à une question qui disait « Le droit arrive toujours après, en retard, après la mise en place de nouvelles valeurs, de nouveaux usages, pour encadrer de nouveaux modes de fonctionnement. » Alors, ce n'est pas vraiment une question, c'était plutôt un constat, une opinion que tu émettais. Je vois que Laurent, tu souhaites prendre la parole. Je te laisse dans 5 secondes. Je voudrais juste regarder. Et ensuite, il y a la question. Alors là, si on reste plutôt sur la question de la politique, question de Timothée qui était, et là qui faisait référence à une intervention de Fabrice tout à l'heure, un homme politique qui aurait le courage, qui ferait preuve de courage politique, ne condamne-t-il pas sa carrière? Et je fais le lien entre cette question et la dernière intervention de Marie concernant justement l'État comme dernier échelon protecteur, garant justement des mesures qui sont mises en place afin d'avancer vers un droit qui ne serait pas une zone de non-droit pour l'environnement, pour reprendre notre titre. Laurent, puisque tu as allumé ta caméra. Mais en deux mots, hein, simplement. Pour dire qu'il faut bien qu'on s'entende. Moi, j'ignore tout de la nature, de la morphologie de l'institution qui peut répondre de la manière la plus adéquate, sur le plan public, hein, institution publique, ce type de répondre de la façon la plus adéquate aux problèmes qui nous sont posés. Et bien évidemment, la réponse est des pluriels, ça on le sait bien. Mais je suis très sensible à ce que Marie nous a dit aussi tout à l'heure. Je crois que l'État est à la fois une vieille lune et en même temps, bien évidemment, je pense qu'historiquement, c'est un endroit où l'on peut orchestrer une sorte de refuge de grandes valeurs, travailler sur la séparation des pouvoirs notamment. Et n'oublions pas une chose qui est centrale par rapport à la souveraineté dont on parlait et aux limites planétaires, donc aussi aux limites individuelles, c'est que dans tous les États libéraux, il n'y a pas d'exception, la structure juridique de ces États correspond à une transformation de l'individu en autre chose qu'un individu. Et cette transformation, si elle n'est pas inclusive pour l'instant, si elle est loin de ce que Marie appelle de ses voeux et tant d'autres personnes autour de la personnification du vivant, de l'humain, etc., elle a une double caractéristique, c'est qu'elle nous assigne, cette institution nous assigne des limites vis-à-vis des droits d'autrui et vis-à-vis de ce qui peut nuire à la société. Dans toutes les structures juridiques de cet ordre-là, nous avons une limitation horizontale, l'existence, sans même parler de la nature elle-même, hein, l'existence de l'autre. Donc c'est ma liberté, Laurent, c'est ma liberté s'arrête là où commence celle d'autrui, c'est ce que tu veux dire. C'est le fameux article 4 de la DDHT, suivi de l'article 5, il y a le mot nuire dans les deux articles. Et ce terme, bien sûr, c'est franco-français d'un point de vue du champ lexical, mais c'est quand même très très intéressant, me semble-t-il, de le redire. Et évidemment, un dernier point, c'est que l'individu, personne physique, l'individu, personne morale, l'entreprise, etc., enfin, individu, personne morale, ça ne veut pas dire grand-chose, mais il faut quand même comprendre une chose, c'est que tout ce que nous entreprenons de faire et qui nous fait sortir de nous, nous oblige à rencontrer et l'altérité et des communs. Et justement, je suis d'accord avec vous, pas des biens communs, des communs. C'est-à-dire, il n'y a aucun miracle dans le monde physique quand nous déployons nos libertés à l'extérieur de nous. Il y a donc, quand tout à l'heure Fabrice disait, il faut que les arbres, oui, pour continuer à tirer du bois, etc., ou en vendre, il faut des arbres, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce qu'un écosystème, c'est pas seulement, il n'est pas tourné vers l'intérêt, si je puis dire, quantitatif de celui qui produit du bois. C'est toujours beaucoup plus compliqué. Donc, je suis sidéré que les systèmes juridiques libéraux ne parviennent pas, dans les formes démocratiques qui sont les nôtres, à intégrer cette double limite horizontale et verticale, sans même, évidemment, impliquer ici la dimension très inclusive du vivant non humain et au-delà même de la dimension planétaire tout entière. Ça me fascine, ça me désespère, mais ça me nourrit d'espoir aussi parce que je pense qu'il y a des solutions. Dans ce que vous dites, vous avez complètement raison, hein, c'est pas simplement la préservation des ressources, c'est aussi la préservation des écosystèmes, je l'ai dit, hein, dont dépendent ces ressources. C'est pas une ressource unitairement, c'est comment elles doivent se
les conditions de leur préservation. Oui, mais je pense qu'on est, dans un tel niveau de complexité. Ça a été dit par le chat. Hein. Il y a le principal frein au début du commencement d'un changement, c'est l'ignorance. Et je pense qu'il y a vraiment beaucoup à faire aujourd'hui dans les écoles d'ingénieurs, les écoles de commerce et même dans les écoles élémentaires pour expliquer dès le plus jeune âge le rôle du vivant dans le fonctionnement en fait, des écosystèmes, de la Terre et même de l'économie. Hein. Donc, il y a un effort d'éducation à faire le plus vite possible. Mais comme on n'a plus beaucoup de temps, à la fois dans ce webinaire et pour inverser une tendance qui est quand même juste suicidaire pour l'humanité, il faut aussi ne pas avoir peur de simplifier pour accélérer. Car le complexe et expliquer le complexe pour le plus grand nombre, on l'a bien vu avec la Convention citoyenne pour le climat, les gens qui sont arrivés, les 150 citoyens qui ont été tirés au sort, avaient des niveaux de connaissances sur tout ce dont on vient de parler qui étaient très, très hétérogènes. Certains étaient même climato-sceptiques. Et il a fallu beaucoup de temps pour mettre tout le monde à niveau, pour qu'ils arrivent en conscience à proposer des mesures que même les écolos les plus radicaux n'ont jamais osé proposer, alors qu'ils n'étaient pas du tout écologistes en arrivant à cette convention. Parce qu'une fois qu'ils ont compris la complexité, eh bien, ils ont pris conscience des mesures qu'il fallait pouvoir prendre. Mais sauf que la radicalité, lorsqu'on est ignorant des enjeux de long terme, eh bien, ça ne passe pas. Ça ne passe pas et les politiques vont complètement dénaturer toutes les mesures qui ont été proposées parce qu'eux n'ont pas compris, parce qu'eux n'ont pas pris le temps d'essayer de comprendre. Et c'est ça qui est dramatique. Alors, donc, ce qu'on a essayé de faire avec Céline dans le livre « Entreprise contributive », c'est qu'on a essayé de simplifier tout ça et on s'est dit finalement, il y a un certain nombre de méthodes, de recettes simples que des entrepreneurs peuvent mettre en place pour intégrer des enjeux de long terme dans leur business. Et moi, je pense que, enfin, notre conviction en tout cas dans ce bouquin, c'est de se dire, bien si et seulement si des entreprises mettent en place ce type de méthodologie que nous proposons dans le bouquin, et qu'il y en ait de plus en plus qui mettent en place ce type d'approche, on arrivera à un phénomène qu'on a appelé le phénomène de la OLA, lorsqu'il y a une minorité très motivée qui démontre que ça fonctionne par l'exemple, et pas par le blabla, par l'exemple, eh bien, ces minorités peuvent être imitées par d'autres et arriver, comme le fait le virus du Covid-19, à se répandre le plus vite possible sur la planète. Donc, valorisons les entrepreneurs qui ont compris l'indispensable réconciliation entre le business et la resynchronisation au vivant. Faisons en sorte de faire connaître donc, la façon dont ils s'y prennent, comment ils intègrent cette notion de réduction d'impact négatif et de réduction des externalités négatives. Essayons de faire la promotion de leurs recettes et la promotion de leurs modèles économiques. Et on peut espérer que dans le futur, il y ait de plus en plus d'entreprises qui copient ces entreprises-là et que, que cette contagion arrive au niveau mondial. C'est une façon de faire, il y en a peut-être d'autres. En tout cas, c'est notre contribution au débat. Marie, si tu souhaites dire un mot avant de nous quitter, je crois que Marie nous a déjà quittés. Non, je suis là. Non, t'es là, pardon. Je te laisse dire un mot. Fabrice, merci beaucoup. Et puis, à la suite de l'intervention de Marie, vous n'aurez pas de conclusion. On vous envoie tous en petits groupes pour discuter. Et surtout, moi, j'ai eu plein de messages de gens qui veulent entrer en contact les uns avec les autres. Écrivez-nous un mail. Je vous rebalance mon mail dans la discussion publique et on s'occupera de faire les belles mises en relation. Marie, je te laisse conclure avant qu'on bascule tout le monde en petits groupes. Oui, ce n'est pas vraiment une conclusion, mais moi aussi, je vais faire la contribution au débat. Effectivement, je vais aller me battre, ce que je vous disais tout à l'heure, sur les infrastructures européennes et le fait qu'il n'y ait pas trop de lobby dans tout ce bazar. Donc, récupération de démocratie et climat, un peu comme la convention dont on parlait Fabrice et Laurent. Peut-être juste, moi, j'aimerais bien que l'idée selon laquelle si chaque entreprise ou si chaque État protégeait les ressources dont il avait besoin, eh bien, cela aurait directement un effet sur la préservation des communs en général. Par exemple, si une entreprise, si on part du principe que chaque entreprise entretient la forêt dont elle a besoin, eh bien, on réussirait à sauver toutes les forêts du monde. J'y crois pas. Je pense que concrètement, l'histoire et encore l'actuel montrent un peu l'inverse. Mais je dis pas ça pour fermer des portes. Je dis au contraire qu'on a vraiment, vraiment, vraiment besoin de mobiliser de l'intelligence contributive et coopérative, comme le fait si bien Wisher, pour pouvoir construire
les solutions qui n'existent pas encore. Et donc, au plaisir de vous retrouver. Voilà, et merci beaucoup. Merci à toutes et à tous. Laurent, il est 15h. Si tu as 30 secondes, tu peux le faire avant qu'on nous basculions en petit groupe. Je te remercie. J'ose pas avoir le mot de la fin. Maintenant, il y a de très belles choses qu'on s'est dit. Moi, je suis très sensible. Je ne vais pas faire de la pub pour Richard, mais quand même. Parce que je trouve que voilà, cette façon de mettre les gens, voilà, de partager en réalité, de créer les conditions d'un partage, moi, très sincèrement, je crois que du point de vue des valeurs, c'est pour la suite quelque chose d'absolument central. Vraiment, ça nous aide à nous décentrer de nous-mêmes comme individus un peu interfermés ou un peu repliés. Donc Marie vient de dire aussi des choses, évidemment, par rapport à ça. Franchement, c'est voilà, dans un glissement de la valeur vers autre chose que nos petites personnes peut-être un peu inflatées ou un peu enflammées. Je crois que voilà, bah, WeShare contribue. Voilà. Je n'ai pas été rémunéré par Taoufik pour le dire, mais je le dis très, très spontanément parce que j'y suis très sensible. Eh bien, merci à toutes et à tous. Nous passons à. On balancera quelques vidéos des meilleurs moments. Enfin, on verra avec les intervenantes, enfin, l'intervenante et les intervenants. Et puis, on vous tiendra informés de la suite. On part tous en petit groupe. Merci beaucoup, Laurent, Marie, Fabrice, Aude, Julie et les autres. Rendez-vous. Merci à tous. Merci beaucoup.